À seulement 23 ans, Jonas Aguenier peut déjà brandir fièrement deux médailles d'or. Donc ça c'est les deux médailles, celle-là c'est celle de la World League et celle-là c'est celle du championnat d'Europe. Un peu plus petite mais c'est ma préférée. En 2015, il a tout gagné avec l'équipe de France, la Ligue mondiale et le championnat d'Europe de volley. Une première. Celle que l'on surnomme la Team Yavbou a enfin trouvé sa place dans le sport français. Ça fait toujours plaisir de voir des choses comme ça dans le quotidien français. J'aurais aimé mettre dessus. Les amis, c'est un peu pareil de toute façon. Puis voilà, magnifique. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Jonas Aguenier découvre le volley à 10 ans, à Orléans. Les clubs s'enchaînent et sa passion devient plus intense. Tours, Châtenay-Malabry, Montpellier, Nantes et maintenant Cannes. À force de travail, il progresse chaque saison. Aguenier fait sa place, il est maintenant titulaire à la SCAN et force le respect. C'est vrai que c'est un jeune joueur, mine de rien, il a commencé à avoir d'expérience, mais il est assez jeune. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui apprend toujours et qui est toujours dans l'attitude juste pour une équipe. Je pense que c'est quelqu'un de très timide, malgré sa taille, malgré sa posture assez droite. Et quand on le connaît pas, on peut penser que c'est quelqu'un de prétentieux ou même d'opportuniste, alors que pas du tout, c'est un mec sain, gentil, et heureux de vivre, qui sait où il va aller. Quelqu'un que j'apprécie. Dans une carrière, pour avancer, il faut se donner des objectifs. Jonas Aguenier les a trouvés. Essayer d'être champion de France, puis jouer dans les plus grands clubs européens. Avec une seule idée en tête. Gagner les Jeux. Parce que c'est l'objectif de tout sportif depuis qu'on est tout petit. Là, on va toucher du doigt, peut-être d'y aller. L'ambiance là-bas, ça va être incroyable. Et après, de faire la médaille ultime sportive, c'est incroyable. Allez, maintenant, on va à la maison. Jonas Aguenier n'a pas que le volley dans la vie. Quand il n'est pas sur un terrain, il aime la nature et se passionne pour la musique. En homme réfléchi, il sait déjà ce qu'il fera une fois sa carrière finie. Ça fait quelques années que je suis assez décidé, je veux devenir kiné. Donc c'est vraiment un truc qui me travaille tous les jours. Jonas Aguenier a encore le temps et une belle carrière devant lui. Il a une qualification pour les Jeux à aller chercher avec toute l'équipe de France. En fin de contrat à Cannes, son avenir reste à écrire.